Partager, appelez les autres, on va faire feu. Agne fautez, agne fautez, agne faute, agne, bon à voter, bon à voter, billing à voter. Okay, okay. On, dé on démarre dans quelques instants. On démarre dans quelques instants.

Excusez-moi, hein, excusez-moi. Le son est tellement bon, voilà. Il faut qu'on réécoute pour une deuxième fois. Après, on démarre l'émission. Ça va être du boom tranquille, calmos, calmos. Ceux qui ont les températures montées, baissez la température. C'est la Guinée qui gagne. C'est nous les Guinéens, nous sommes les meilleurs. Vous êtes les meilleurs. Le numéro un, c'est nous la Guinée. On continue, on réécoute le son du futur président, son Excellence El Mamadou Seloudale, Diallo. Voilà. Partagez. À mille on commence. À mille on commence. À... Un million commence à ne voter, à ne voter, à voter, à bon à voter, bon à voter, viens m'a voter ben

po keli po keli po keli po keli ale po keli po keli po keli po keli. afa selu faa afa mɛ kɛ selu so afa selu fa uftg mɛ kɛ selu so a nye pote a nye pote a nye pote a nyɛ ko n ka pote. a voté, Si 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 Oui. Vous êtes là, nous sommes là. UFDGIST et RPgist. Soyez les bienvenus, c'est votre frère. Gébril Agile King. Oui. Calmos, calmos. Diminuez la température, baissez la température. C'est entre nous, Guinéens. C'est entre nous. Guinée 1. Hein? Donc, euh, encore une fois, soyez les bienvenus. Vous comprenez, non On va faire euh, l'émission de ce soir comme hier. On ne va pas arrêter de le réitérer. Mais, on commence le thème, les thèmes d'aujourd'hui. On a deux thèmes. Le premier thème, c'est le RPG. Et l'UFDG. Ça, c'est le premier thème. Et vous aurez l'occasion d'appeler dans ce live en direct pour donner votre point de vue entre le RPG et l'UFDG. Après le développement que je vais faire tout à l'heure. Après le deuxième thème, nous aurons ce passage nous allons décrypter. Le passage du général Sekouba Konate Ntasserouba sur les grandes gueules ce matin. Nous allons décrypter à travers tout ce qu'il a dit et ce que j'ai pu capter principalement sur la durée de la transition en Guinée. Vous n'êtes pas sans savoir que le général Sekouba Konate, qui a dirigé la transition de 2010, a été l'invité de Espace TV aujourd'hui, je ne le répète pas, mais qui a dit que selon lui, ce qui sera mieux pour la junte, ses conseils, minimum une transition de trois ans et maximum une transition de cinq années. Oui, on va décortiquer ça et développez cela et vous aurez la parole pour vous exprimer sur la vie du général Ntaseroba Konate. Voilà. Bon euh, en cours de l'émission, je ferai des petites thématiques concernant ce que j'ai dit hier sur le vieux. Et là, sans loi, Ousmane sans loi, vous n'êtes pas sans savoir qu'il est victime d'injustice. Donc, du coup, paf, on continuera sur ça. Salut à ma sœur euh, Barry Fatoumata de Timbi Madina depuis Washington. Ouais, merci à elle, une dame de fer. Oui, big up à elle. Si vous partez à Washington, si vous ne voyez pas les, les Fatoumata Barry là, vous, vous n'êtes pas rentré à Washington. Donc, le premier thème, nous partons, c'est aussi simple à comprendre, aussi simple à débattre, aussi simple à dire, aussi simple à décortiquer. Avant, je ne parle pas d'hier, je parle de maintenant. Le RPG, il faut que les communicants RPGistes, vous le sachiez, vous qui êtes en train de me regarder, moi Djibril, je vous ai toujours dit que nous ne sommes pas des ennemis. Vous comprenez Hier, on était des adversaires. On s'est clashés. On s'est dit plein de trucs. Aujourd'hui, votre parti n'est plus à la tête de la Guinée. Votre leader n'est plus le leader de la Guinée. Donc pour nous, UFDGiste, à travers tous nos chefs passés par moi, on n'a plus de haine. On n'a pas de haine d'ailleurs. Mais le RPG et l'UFDG, il n'y a plus de rivalité. Il n'y a plus de match. Le match est fini. On a gagné. On s'est dit, tout le monde est sorti, crier sur les réseaux sociaux, Adasi Para, 4ème République, 2026. Nous on a dit bientôt il va quitter. On a toujours dit, il va quitter, on va le faire sauter. Et effectivement, cela s'est réalisé pour nous, même si ce n'est pas nous qui l'avons fait. Mais ça a été fait par les fils de la Guinée. Donc, au jour d'aujourd'hui, toi, RPG qui me regarde, vous, RPG qui me regarde, vous n'êtes pas en compétition, vous n'êtes plus en compétition avec l'UFDG. On n'a plus rien à faire avec vous en matière de compétition politique. Ce que nous devons ensemble comprendre maintenant, c'est le bien, l'intérêt général de notre pays, la Guinée, qui est important. Aujourd'hui, ce n'est pas nous, UFDG, qui a fait sauter Alpha Condé. On n'a rien à voir dans ça. Donc, vos colères que vous êtes en train de cracher sur les réseaux sociaux, sur ce parti, sur nos leaders, sur notre président, ça ne veut rien dire. On a fini avec vous. La preuve en est que le jour un samedi 4 septembre, j'avais fait un live, un dernier avertissement pour vous. Ce dernier avertissement, je l'avais dit, qu'il ne vous reste plus que quelques instants. Et que j'ai toujours dit, tous ceux qui me suivent depuis très longtemps, que le régime Condé, que leur vie, la vie, est en train de tourner en seconde. Kung, -un, Kung, -un, Kung. -un. Vous vous rappelez Sur la série RPG Feu sur vous. Donc, si vous voyez que j'ai arrêté la série, ce n'était pas pour rien. Moi qui vous parle, je suis peut-être petit pour vous quand vous me voyez sur écran. Mais je suis grand par mes relations. J'ai le respect, la considération. Quand on n'est quand, quand pas milliardaire, mais qu'on a les bonnes relations, c'est très très important et très très efficace. Ce respect et cette rela ces relations nous permet aujourd'hui d'avoir une arme fatale contre quiconque qui viendra à la tête de la Guinée. Donc, au jour d'aujourd'hui, le RPG, vous n'êtes pas en compétition avec l'UFDG. L'UFDG a fini avec vous. On en a fini avec vous. Oubliez nous. Les petites filles qui veulent rentrer dans ces débat-là, parce que les sous d'Adi, vos sous d'Adi, se sont vus éjectés du fauteuil présidentiel. Vos sous-gardes d'Adi. Parce que vous, vous n'êtes pas sans savoir qu'à Conakry, la majorité des filles, oui, je vous dis, n'ont pas de boulot, ne travaillent pas, mais elles ont les derniers iPhone, les dernières Samsung. Elle a même une boutique de commerce. Qui l'a ouvert Qui Comment elle a eu ce fonds Comment ça a été financé Elle a une voiture. Elle loge dans un. Un immeuble de haute standing qui coûte 1000, 000, 500 dollars. Comment elle gagne ça C'est facile à comprendre. Derrière, il y a un sougard daddy. Sougard daddy qui vient tard dans la nuit, qui garde sa voiture, qui monte. Et oui, ces filles, je les appelle comment je les appelle comment Je les appelle tout simplement sans manquement de respect, les fumeuses de pipe. C'est des fumeuses de pipe. Donc, si les fumeuses de pipe sont énervées parce que le RPG, les sous-gardes d'Adi ont été éjectés, ne sont plus au pouvoir, ne mangent plus comme avant, les comptes de banque ont été gelés, bloqués. Et que vous, l'UFDG ne vous a ni insulté, l'UFDG ne vous a ni manqué de respect, et nulle part, l'UFDG ne vous a mentionné dans ces discussions. Jamais de la vie. A commencer par moi et tous les autres communicants connus et reconnus de l'UFDG, on a toujours dit que la porte est grandement ouverte. Pour tout un chacun. Parce que nous sommes tous des Guinéens, nous ne sommes pas des ennemis. Et si vous, les petites filles aujourd'hui qui ont les petits magasins dans les quartiers et au coin de Conakry, vos sous-gardes ne sont plus à la tête, le tonton ne fait plus dépôt de 2, 3, 4, 5 millions, vos comptes qui sont là-bas ne sont plus alimentés, oui. C'est tout ce qui met notre pays en retard. Et si la sortie, la présentation de l'iPhone 13 qui a été faite le mardi passé, et que tu te trouves aujourd'hui dans des millions de réflexions que comment tu pourras t'acquérir de l'iPhone 13? Comment? Parce que le sous-garde a été éjecté. Son compte est bloqué. Ne viens pas verser ton vénin sur l'UFDG. Ne venez pas verser vos vénins sur l'UFDG. Arrêtez de garder cette haine. On n'a pas de haine contre vous. La preuve en est que l'une des victimes, l'une des principaux victimes de l'injustice de votre président, qui est notre vice-président, que je salue avec respect et considération, n'est nul autre que la personne de Oussou Fofana. J'ai vu une de ses vidéos qui m'a encore touché, qui m'a encore dit pourquoi on doit suivre ces personnes. Il a dit Alpha Condé, le RPG, tout ce que le RPG m'a fait, je pardonne. Tout ce que Alpha Condé m'a fait, je pardonne. C'est ça un musulman. C'est ça un Guinéen. C'est ça un musulman. C'est ça un Guinéen. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il a été bloqué pour aller voir son ostomalo... eh, eh, son truc de yeux euh, œuf, là. Ma langue ne peut pas dire ça. Tellement c'est compliqué. Ostomophologue. Le truc, les gens qui traitent les yeux. En France, on lui a interdit de ne pas sortir de pays parce qu'il fait partie de l'UFDG, parce qu'il est vice-président de l'UFDG. Quelle est cette justice-là qui dit aux gens de ne pas aller se soigner RPG, regardez, avec tout le tort que le président du RPG a causé à l'UFDG, nos responsables aujourd'hui, sans oublier, M. Abdoulaye Ba, qui, a été, qui avait bénéficié d'une mise en liberté et qui a été reconduit en prison une deuxième fois, a dit sur l'antenne la, de FIMFM qu'il pardonne à Alpha Condé qu'il a mis en prison et qu'il pardonne à ceux qui ont aidé Alpha Condé de le mettre en prison. C'est ça être un musulman, c'est ça être un Guinéen. Vous, aujourd'hui. Nous vous voyons acharnés, détachés, comme des turbos sur les réseaux sociaux. 500 lives par jour, 1 million de lives par jour. Contre qui L'UFDG. L'UFDG. UFDG, UFDG. UFDG, UFDG. En fin de compte, qu'est-ce que vous nous voulez Qu'est-ce que vous nous vouliez Si aujourd'hui... L'UFDG avait réclamé justice contre le régime Condé. Avec tous les torts que ce parti RPG a causé à l'UFDG. Là, vous devez dire quelque chose. Mais regardez-moi et regardez-vous. Regardez-moi et regardez-vous. Musulman est appelé à se pardonner. Guinéen est appelé à se pardonner. S'aimer, se pardonner. Mais on voit tellement que cette, cette action vous a surpris vous voulez mettre tout ça sur le dos de, de l'UFDG l'UFDG n'a rien à voir dedans l'UFDG n'a pas des armes l'UFDG n'a pas de militaires l'UFDG n'a pas de tanks l'UFDG n'a pas des voitures blindées l'UFDG sa politique elle est totalement et complètement démocratique pourquoi en vouloir à ce parti pourquoi s'acharner sur notre président C'est difficile à avaler. Oui, difficile à avaler pour se rendre compte que Alpha Condé n'est plus là. On vous a dit, on était en bataille. On s'est exilé pour ça. Et on s'est dit, si réellement Allah sait que nous sommes sur le chemin de la vérité, tôt ou tard, il exaucera nos voeux. Et ses voeux... Ces voeux des millions de Guinéens ont été exaucés. Oui, tous ces voeux que les Guinéens avaient pour le régime Condé, ça a été exaucé par Allah. Alpha Condé n'est plus le président. Et si vous rêvez, je vous dis, si vous êtes en train de rêvasser, parce que là, c'est ce qu'on appelle rêver debout, le mot rêvasser. La définition, c'est rêver debout. Si vous êtes en train de rêvasser, rêvez debout pour dire que Alpha Condé va revenir à la tête de la Guinée, vous perdez votre temps. L'action que vous devez entamer dès maintenant, si vous ne nous aimez pas, vous n'êtes pas forcé de nous aimer. Si vous n'allez pas nous supporter, vous ne, vous ne serez jamais forcé à venir dans l'UFDG. Mais de grâce, l'UFDG n'est nullement ni le responsable, ni le commanditaire, ni celui qui était à la base du renversement du régime Condé. L'UFDG a seulement demandé justice divine. Et cette justice divine, Dieu est passé. Il a remis le fouet au colonel Mamadi Doumbouya pour donner les coups au régime Condé. Et ces coups ont été donnés. Et les leçons sont en train de continuer. Mais un conseil d'amis, de frères, arrêtez de vous mettre en danger. Parce que là, la roue est en train de tourner. Ça a déjà tourné. Mais si vous continuez à tourner la roue sur vous, à tourner la roue sur vous, vous allez connaître aussi les difficultés de l'exil. Vous allez connaître aussi ce que ça veut dire l'exil politique. Vous allez connaître aussi ce qui veut dire que vous n'avez plus la même mise sur le pouvoir guinéen. Parce que je vous vois tous les jours vous acharner sur la gente, la gente, la gente. Si c'était des personnes qui étaient venues avec des mal intentions, là, tous les Guinéens aujourd'hui allaient sortir, à commencer par moi. Pour dire ces mots. Pour dire à la gente, non, ce n'est pas bon ce que vous faites. Calmez-vous, ce n'est pas comme ça. Oui. Donc, vous êtes en train de vous mettre en danger. Vous et nous, l'UFDG, il n'y a plus de match. Le débat est fini. Les fumeuses de pipe, laissez notre parti en paix. Vous sous-gardez dit ne sont plus à la tête de l'État. Oui, ne vous j'acharnez pas sur l'UFDG. Vous comprenez Donc, que cela soit clair et net pour vous, moi, Jibril communicant, connu et reconnu de l'UFDG, militant, oui, actif, engagé pour le parti UFDG, je vous dis ceci, que le président Elage Mamadou Seloudalen dit que la porte de son parti est grandement ouverte à tous les Guinéens et qu'il n'a de haine ni contre Paul ni contre Pierre. Oui, il ne se vengera pas. Il ne traitera, il n'y aura jamais de traitement de faveur. Tout le monde sera traité de même pied égalité, égaux. Oui, il faut venir dans notre parti pour comprendre. Il faut venir dans ce parti pour comprendre. Laissez la haine là. Prenons la paix. Prenons l'unité. Prenons, c'est-à-dire, prenons l'intérêt du général du pays. En tout cas, moi, je vous dis qu'il n'y a plus... match. Si vous voulez insulter moi comme des milliards de fois, c'est temps dans le blog, j'ai fini avec ça. Ça, c'est dans la poche. I'm king, very, very king, oui, yeah. Tu comprends? C'est temps dans le blog. Traite-moi de tout ce que tu veux. Mais tu sais, ce que le king est en train de dire, c'est la réalité. Et que tu sais que le king, c'est le couteau suisse de l'UFDG. Ça ravage. Donc, passe par tous les moyens. Tu ne pourras jamais intimider ou faire taire le king parce que voilà il maîtrise le bloc c'est dans la poche frères et sœurs rpgistes IFDGistes nous sommes des guinéens de la guinée conakry muslims en général nous sommes appelés à être ensemble vivre ensemble marcher ensemble manger ensemble dormir ensemble oui ma grande sœur je cache les konyanquins hein? oui je classe les cognanqués. Mais je vous dis quelque chose aujourd'hui qui va vous étonner. Ma grande sœur, ma première grande sœur, la première fille de ma maman, son mari, c'est un cognanqué. Son mari, c'est un cognanqué. Ça veut dire quoi? Ma sœur, elle est soussou. Son mari, c'est un cognanqué. conné C'est soussou. Femme, Konyanké, Marie. Son fils, son premier fils est avec moi. C'est un Konyanké. Son premier fils est avec moi. Son premier fils est avec moi. Il est avec moi. On me l'a donné. Oui, il est avec moi. C'est un Konyanké. Son père, c'est un conné, mais c'est le fils de mon, de ma grande sœur. C'est la famille. Donc, et si nous vérifions, nous tous qui nous clashons, clashons sur ces réseaux, à travers ce billet de Facebook, et si nous cherchons, on connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un qui est le cousin de notre cousin ou qui est la cousine de notre cousine. Ainsi de suite. C'est pourquoi nous disons toujours que la Guinée est une famille. Pourquoi s'engueuler Pourquoi s'insulter Pourquoi Donc, je termine pour ce premier thème en disant que UFDG, RPG, il n'y a plus de matchs, il n'y a plus de rivalité. Il n'y a plus de rivalité. C'est terminé. Le débat est clos. Si vous avez mal pour voir que réellement c'est l'UFDG qui est bien placé pour être au pouvoir, c'est CELU qui va venir, Président. Ne y ait pas peur. loup ne se vengera pas des Guinéens. loup ne fera pas de mal à un Guinéen. loup va venir pour unir et servir son pays. loup ne se vengera pas c'est l'eau ne se vengera pas. Calmez-vous. Et il fera ses mandats. Après ses mandats, il s'en ira dans l'honneur. Je vous ai dit hier. Donc, il n'y a plus de match. C'est terminé. Continuons sur de nouvelles bases. Vous n'êtes pas forcés à nous aimer, vous n'êtes pas forcés à adhérer à l'UFDG, mais de grâce que chacun respecte son prochain. C'est très important du point de vue que la rivalité qui existait entre vous et nous n'existe plus. Alpha Condé n'est plus président. Un point, militaire. Frères et sœurs Guinéens. Avant de continuer, euh, j'avais dit tout à l'heure, vous allez intervenir. Je vais mettre le numéro. Vous aurez la parole dans ce débat. Vous aurez la parole. Vous aurez la parole. Quand je parle comme ça, il euh, y en a, ça leur fait mal. Je comprends. Ce n'est pas facile. Vous comprenez, non? Euh, tout le monde ne peut pas apprécier. Tout le monde ne peut pas aimer. Du coup. Euh, cette vérité, toutes ces vérités que je suis en train de prononcer, ça fait mal à certains qui n'aimeraient pas que ces vérités soient dites. Oui, c'est normal, on comprend. Mais Dieu a dit, Dieu a dit, et les Soussous -sous ont dit, est-ce qu'un jour, vous aurez, vous, vous aurez pu vous imaginer que moi Agi le king Jibril agit. Je serai une arme fatale de l'UFDG. Un jour, est-ce que vous l'avez pensé? Est-ce que vous l'avez imaginé? Non. Personne ne l'a vu venir. Personne ne l'a vu venir. C'est Dieu qui a apporté cela et c'est Dieu qui a mis ça. Il l'a mis dans mon sang et c'est en train de couler dedans. Et c'est à vie. Donc Dieu a dit que ce jour viendra. Du coup, euh, le deuxième thème, c'est le coro Ntasseroba. Ntasseroba, vous aurez, vous aurez la parole tout à l'heure, dans, dans, dans quelques minutes. Avant de rentrer dans le thème de Ntaseruba, j'ai dit et j'ai redit mon colonel Mamadi Doumbouya, je sais qu'il y a certains de vos éléments qui me suivent. Passez ce message au colonel. Il faut que le vieux, le papa, El Hajj Ousmane sans loi soit rétabli dans ses droits. Il faut que tous ses biens qui ont été saisis lui soient rendus. Parce que c'est un Guinéen. Il a juste soutenu ce que son droit lui disait de faire. Chacun est libre de soutenir qui il veut. Donc... Il a juste soutenu ce que son droit lui permettait de faire. Et aucun droit et aucune loi en République de Guinée ne dit que, hélas sans loi, en soutenant l'UFDG, doit voir ses biens se faire saisir par l'État. Aucune loi ne le dit. Donc, pour de grâce, mon colonel, remettez à César ce qui appartient à César. Remettez à Élage sans loi, ce qui appartient à Hélas sans loi. Donc nous continuons dans le thème de monsieur le général Sekouba Konate. Gardez-vous. Repos, mon général Sekouba. Voilà. J'étais tellement patient, euh, tellement pressé d'écouter le le général Sekouba, l'ex-président de la Guinée, parce que tellement que ça a été reporté, 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 on s'est dit que voilà, peut-être qu'il n'aura pas l'occasion d'intervenir. Mais pendant qu'il parlait, il y a eu des questions qui ont été posées, comme on dit, comme il l'a dit d'ailleurs, par l'inspecteur Colombo, Moussa Moïse Silla. Vous savez que nous, c'est une forme de journalisme. C'est un journalisme sans frontières, le blog, le blogage. C'est une forme de journalisme sans frontières. Nous décortiquons et vous analysez et on débat ensemble. L'inspecteur Colombo Moussa Moissila a posé une question au général Sekouba Konate. Cette question, c'était quoi C'était... Est-ce que réellement, pendant les élections de 2010, il y a eu un côté, je vais, je vais la poser simplement, est-ce que le général Sekouba Konate avait fait faciliter, c'est-à-dire il avait facilité Alpha Condé d'accéder au pouvoir On était là tous, on écoutait le général, le téléphone a coupé, pouf. Vous avez compris la partie est-ce que vous avez compris la partie On était là, on écoutait le général. Cette question, le téléphone a coupé. Et l'espace TV a rappelé le général. Sur cette même question, le téléphone a coupé. Est-ce qu'il y a eu un deal Le téléphone a coupé pendant trois fois et ils ont perdu le général. Et quand ils ont eu le général pour la énième fois, cette question n'est plus revenue sur la table. Cette question est partie. Je dis et redis ceci si j'étais le général Sekouba Konate qu aujourd'hui, qu'est-ce que j'aurais dit à Espace privé Selon mon analyse, je n'ai rien contre lui. Hein, et je vous dis, comme je vous ai dit tantôt, dans mes prochains et dans mes précédents lives, le général Sekouba Konaté n'est nul autre que mon grand frère. Il a grandi à Boulbini. Il est né à Boulbini. Hein? Boulbini, c'est mon grand frère. Il a grandi avec mes grands frères. Sekouba Konate, elle tigre. Il a grandi à Boulbini. C'est mon grand frère. Vous comprenez c'est un grand frère que je connais très bien. Donc je ne mentirai pas sur lui. On le connaît toujours. Un homme direct qui ne cache pas ses mots. Il ne mâche pas ses mots. Il le dit directement. Vous comprenez Mais mon général, la Guinée tout entière, sait que réellement, effectivement, qu'il y a eu réellement un deal. Ce que moi j'aurais aimé de mon grand frère aujourd'hui, de son franc parler, sans qu'il ne rentre dans les détails, qu'il demande excuse aux Guinéens de se rater sur cette élection de 2010. Qu'il demande excuse aux Guinéens sans rentrer dans les détails, parce que les élections qu'il a organisées, aconduit la guinée à onze ans de misère à onze ans de massacre à onze ans d'injustice a onze ans de division owui n taara i lanma i xa nanan na ba sanke muso détae yo kui maninke ni rama i barixi sosotane moxi so sotane i xa fa birin na soso daaxi ne inɛ ixi nu aioe nlia axinɛ même si les sages de la coordination sont venus ous voi pour dire de remettre le pouvoir akondi lasufe iwalima soo axi nɛ i nalan naxanfan lain wo naraa wo naxa mixiyo favorise anu mu laineu Maintenant, s'il si parle de transition minimum de 3 ans ou de 5 ans, c'est parce que lui, il a échoué. Sa transition a complètement échoué. Et les regrets qu'il a, il n'a pas conduit sa transition de 18 mois. Une transition, qu'est-ce que cela veut dire Quand on parle de transition, transition veut dire que l'État... A été <laughs> renversé ou le président est mort. C'est les deux choses. La transition, la définition. Le président est mort. La constitution du pays a pris le pouvoir. Et que cette prise du pouvoir de cette constitution ou ce coup d'État qui a été fait doit être mener dans une transition. Et cette transition, sa définition veut dire quoi En profondeur, la transition veut dire d'organiser de nouvelles élections pour pouvoir élire un nouveau président. La transition ne veut pas dire que celui qui vient faire la transition, de venir s'installer comme le président. C'est pourquoi la définition le mot transition est inclus sur celui qui est le président de la transition. On dit monsieur tel président de la transition. Monsieur, madame, tel, présidente de la transition. C'est comme sous forme d'intérim. L'intérim. Vous comprenez, vous connaissez ce que ça veut dire, l'intérim. Donc, nous disons non, Guinéens qu'il n'y aura pas de cinq ans de transition. Une transition dépassée les 18 mois, maximum 2 ans, n'est plus une transition. Ça devient un coup d'état vers le pour, sur le peuple. Parce que le peuple ne s'est pas exprimé. Oui, pour élire un président dans un état, il faut que le peuple s'exprime. Il faut que c'est le peuple qui donne sa voix. transition, c'est pas le peuple qui vote, le président qui vient. Si le président est mort au pouvoir et que la Cour constitutionnelle est venue à la tête de l'État, cette Cour constitutionnelle est appelée à faire une concertation. Mais si il y avait un fichier électoral crédible durant le mandat du président décédé, cette Cour constitutionnelle a et que cette concertation, cette cour constitutionnelle a le droit d'appeler tous les leaders politiques et les leaders des sociétés civiles du même pays pour qu'ils se rassemblent autour d'une table de faire une concertation sur le fichier électoral. L'étude, en fonction de, des résultats qui vont sortir de ces fichiers, de l'étude sur ces fichiers électoraux, la majorité des partis politiques et de la société civile qui vont dire oui, je suis d'accord, on, on peut aller sur ce fichier électoral, on peut aller sur ça. La constitution qui est le président de l'Assemblée est appelée à organiser les élections dans un délai de six mois. Dans un délai de six mois. Dans un délai de six mois. De six mois pour organiser les élections, si les partis, les, les acteurs des principaux partis sont tous d'accord sur le fichier électoral. Vous comprenez Mais si les partis consultés pour cette concertation ne sont pas d'accord pour aller sur ce fichier électoral qui était en marche durant le mandat du président Deschu, ou décédé, le président de la transition se voit dans l'obligation d'organiser les élections présidentielles dans un délai de 18 mois. Dépasser cela, ça devient un coup d'état contre le peuple. Donc, mon colonel, n'écoutez personne, n'écoutez pas ces gens qui ont regretté de ne pas prolonger la transition. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que la transition du général Sekouba Konaté n'a duré qu'une qu année. Il a fait un an de transition. Et on a tous vu que les deux, les, les, le deuxième tour de l'élection présidentielle a été repoussé de quatre mois. Oui, pourquoi Pour permettre à ceux qui sont là, aux affaires, d'encore de voler, de voler, de voler, de voler. C'est pourquoi quand Alpha Condé est venu, il nous a dit qu'il n'a pas trouvé un état. Il a trouvé un pays. Il n'y avait rien dans les caisses. Donc si le général Sekouba Konate Nda Sekouba, regrette aujourd'hui de ne pas pousser sa transition pour 18 mois, ce qui veut dire un an, six mois, il ne faut pas conseiller aux jeunes frères qui ont eu le courage de libérer tout un pays et aujourd'hui qui a commencé les concertations. Dans cette concertation, les leaders politiques... De la société civile vont sortir et la majorité, la voix de majorité va dire et la transition. Tous ceux qui sont en train de gueuler, dire transition 5 ans, transition 3 ans, transition ceci, tout ceci espère être dans, la, dans, le, dans le gouvernement de transition pour avoir les postes pour pouvoir bouffer. Pour avoir bouffé, vous n'êtes pas sans savoir qu'un tasser ou à Paris, dans en France. Il a dit il y a quelques jours qu'il propose ses services à la gente, au CNRD. Oui, parce qu'on sait tout ce que voit. Voilà, on est, on est des Guinéens. Quand on commet des erreurs, c'est facile de demander pardon au peuple de Guinée. La seule chose, demander pardon, reconnaître ses erreurs, va vous donner encore plus de crédibilité. Crédibilité aux yeux des Guinéens. Mais c'est vous qui venez encore nous parler de 3 ans minimum de transition, 5 ans minimum de transition sur, euh, sur la, 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 les médias hein? Pendant que c'est vous qui avez fait le deal avec Alpha Criminel Condé hein? Si aujourd'hui, Konaté n'avait pas été trahi par Alpha Kondé. Vous pensez qu'il aurait répondu à la question pour dire que tous les ministres contre Alpha Kondé vont être jugés Il y a Moussa Moïse qui lui a dit. On a vu cette scène quand Alpha Kondé a fini de prêter serment. Il est venu directement faire accolade à Bernard Kouchner. Il a défié. dévié Sekouba Konaté. Il ne l'a pas fait accolade. C'est là qu'on a tous compris que Sekouba était en train de creuser. C'était sa tombe était déjà creusée par Alpha Condé. Et après le reste, on connaît la suite. Aujourd'hui, ce que le Guinéen doit s'attendre du colonel, ce que nous attendons du colonel, on attend une transition de pas plus maximum de deux ans. Une transition, c'est ce que le peuple guinéen attend de vous. Vous avez été un héros. Toutes les personnes qui sont en train de sortir dans les médias pour vous dire qu'ils vous félicitent, de faire attention, qu'ils vous donnent des soi-disant conseils, que de faire transition 5 ans, 3 ans maximum, c'est parce qu'ils espèrent être dans le gouvernement de transition pour encore piller ce peuple que vous avez libéré, pour encore faire sombrer ce peuple que vous avez libéré. Oui, c'est cela, mon colonel. Pourquoi faire trois ans de transition Trois ans, pourquoi Pourquoi faire cinq ans de transition Pourquoi La question, elle est là. Pourquoi faire cinq ans de transition La question, elle est là, simple à répondre. Pendant qu'on peut mobiliser la CENI, les délégués, tous les fonctionnaires éligibles pour réviser les fichiers électoraux de notre pays, on a besoin de 5 ans pour ça? Est-ce qu'on a besoin de 5 ans pour ça? Dieu sait faire les choses. Hein? Moi, j'ai travaillé pendant les élections. Oui, on a appris là-bas. J'ai travaillé pendant les élections de 2002. L'élection de 2002 ou euh, pendant le feu, pendant autant de feu, du feu général, on s'est raconté. Oui, j'ai travaillé. Ce n'est pas compliqué. Il suffit de recruter des gens. Il suffit de mettre tout le monde là. Est-ce qu'on a besoin de trois ans pour ça Est-ce qu'on a besoin de cinq ans pour ça, mon colonel Ceux qui vous disent de ne pas commettre leur erreur, c'est pour vous mettre dans l'erreur. Ce conseil-là, c'est l'inverse. C'est l'inverse. Ce conseil-là, c'est l'inverse. À dire... Au colonel, d'aller en transition pendant 5 ans, c'est de vous mettre dans la plus grande erreur. Mon colonel, ne partez pas dans une transition de 5 ans. N'allez pas dans une transition de 3 ans. Allez au maximum dans une transition de 2 ans. Les concertations ont déjà commencé. Les révisions des fichiers électoraux, c'est compliqué. Mais le peuple est là. Il vous aidera. Partez dans l'honneur et revenez. Le peuple vous choisira pour son président. Je dis et le redis bien. L'exemple que vous avez pris, mon colonel, sur Jamie Rawlings, le président du Ghana, paix à son âme. Oui. L'exemple que vous avez pris sur lui, comme a été l'a fait. Organisez cette transition dans un délai maximum de deux ans. Partez. Installez un président entre vous et Dieu. Honnêtement, pas de favoritisme, pas de régionalisme, pas de c'est lui qui est mon parent, c'est lui qui connaît tant, c'est lui qui peut m'aider, c'est lui qui m'écoutera. Non. Donnez la Guinée à celui qui méritera d'être à la tête de la Guinée. Et partez dans l'honneur. Si vous revenez, le peuple votera pour vous. La majorité a 100 milliards de votes. Si c'est 100 millions de personnes inscrites. Si c'est 4 millions de personnes inscrites, 3 millions 500 000 inscrits voteront pour vous. Donc, monsieur le président, mon colonel, 3 ans de transition, 5 ans de transition n'est pas bon pour vous. C'est faire un autre coup d'État. C'est sur ça que je termine mon décryptage et mon analyse. Je vous laisse partager vos idées avec moi ensemble. Vous pouvez appeler sur mon numéro WhatsApp et vous allez dire aussi vos avis. Mais à mon humble avis, moi, en tant que Guinéen. C'est mon avis. Et c'est la meilleure pour la Guinée. Vous avez l'antenne. Vous pouvez appeler dans Facebook comme vous pouvez appeler sur WhatsApp. Je mets le numéro ici. Vous pouvez, j'ai ouvert l'appel là. Il y a une soeur. Il y a une sœur qui me regarde. Il y a une soeur. Fatoumata Souma, Fatoumata Souma, ma guinée n'a ok, quelqu'un a déjà appelé, mais c'est 4 minutes en arrière, ma guinée allô? allô, 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 vous pouvez appeler, j'ai ouvert l'appel Appelez dans Facebook ici. WhatsApp, ça va être saturé. Hein? Appelez dans Facebook. Les RPG sont en train de dire 5 ans. Ils sont, ils sont là tellement ils ont la haine, ils ont la jalousie. Ils pensent que dans 5 ans là, notre président ne sera plus là pour se présenter. 5 ans là, c'est là. Ce n'est pas après demain. On était dans 2020 là. C'est 2021 qui est en train de finir là. Laissez la haine là. Quittez dans cette haine là. Hein?